Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Merci de nous rejoindre sur ce webinaire RSE, donc mécénat de compétences, comment développer l'engagement de vos collaborateurs en entreprise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Charlotte Bonillo. Bonjour Charlotte. Bonjour Fadila. Donc, vous êtes responsable développement et partenariat chez Pro Bono Lab et vous animez cette matinée dédiée au mécénat de compétences. Merci pour cette introduction. Donc, en effet, je fais partie des équipes de Pro Bono Lab depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Je suis ravie d'être parmi vous ce matin pour vous en dire un petit peu plus sur le mécénat de compétences, qui est un dispositif qui suscite l'intérêt de nombreuses entreprises. Pour vous expliquer un petit peu plus pourquoi c'est moi qui viens vous parler de ce sujet ce matin, je vais vous présenter rapidement Pro Bono Lab, qui on est et quelle est notre mission. Nous, on est une association qui a été créée en 2011. Notre mission, c'est de démocratiser la pratique du partage de compétences dans un objectif double. D'un côté, permettre aux petites et moyennes associations, notamment, de pouvoir trouver les compétences pour répondre à leurs problématiques et ainsi assurer leur développement. Et de l'autre, favoriser le passage à l'action, que ce soit des citoyens ou des citoyennes ou des entreprises, donc en mécénat de compétences. Pour vous donner une petite idée des actions qu'on a pu réaliser jusqu'à présent, on a mobilisé plus de 6 000 volontaires en pro bono, plus de 700 associations donc, ont été accompagnées et on a un peu plus de 100 entreprises, acteurs publics, partenaires. Donc, nous, notre levier d'action, c'est le pro bono, donc le partage de compétences au profit de projets d'intérêt général. Mais je vais vous en dire un petit peu plus juste après, pour que vous puissiez identifier plus concrètement comment s'organise notre activité. Nous, on a 3 pôles pour mener à bien cette mission de démocratisation du pro bono. D'un côté, un pôle programme d'engagement, dans le cadre duquel on va mettre en place des programmes d'intérêt général, qui ont chacun une visée bien particulière, mais dont l'objectif principal est d'engager, mobiliser les jeunes et les PME-ETI, qui sont nos cibles prioritaires sur les prochaines années. On a un pôle conseil aux organisations, où là, on va accompagner les entreprises, les fondations d'entreprises, à un niveau stratégique pour les aider à poser une politique d'engagement qui soit claire et qui soit pertinente au vu de leurs enjeux. Et on les accompagne aussi à un niveau plus opérationnel, les aider à faire. On a un pôle impact et diffusion dans le cadre duquel on va réaliser différentes études autour du pro bono, quelles sont les évolutions de ce dispositif, quelles sont les attentes de ces différentes parties prenantes. Mais pareil, je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure, car j'ai justement plusieurs ressources à vous partager sur le sujet. On a préparé avec Fadila un petit quiz pour vous permettre de vous approprier le sujet dont on va vous parler ce matin. Je vais mettre en pause le partage d'écran le temps qu'on vous partage les questions. Et je pense que du coup, Fadila, tu peux lancer le quiz. Oui, c'est parti. Alors, la première, c'est quelle est la part des associations ayant un ou plusieurs besoins en compétences? Donc, vous avez trois possibilités de réponse, 82%, 20%, 95,5%. Et la deuxième question, c'est quelle est la part des Français prêts à s'engager sur leur temps de travail? 32%, 85% ou 70%? On va vous laisser du coup quelques secondes pour que vous puissiez répondre à ces questions. Je partage les résultats. Ça On marche. attend quelques minutes. Là, je pense que c'est bon. Hop. Alors, pour la première, je vois que vous êtes 60% avoir répondu 82%. D'avoir répondu 95,5% et pour la deuxième, 85%. Alors, en ce qui concerne la part des associations qui ont un ou plusieurs besoins en compétences,
donc la majorité a trouvé la bonne réponse, c'est bien 82% des associations qui ont des besoins en compétences. Le 20%, c'est la part des entreprises mécènes en France, et 95,5%, c'est la part des associations qui ont donc testé le pro bono, donc mécénat de compétences ou bénévolat de compétences, et qui souhaitent réitérer l'expérience. Et pour la part des Français prêts à s'engager sur le temps de travail, alors la vraie bonne réponse, c'est 70%. Donc, il y a 70% des Français et des Françaises qui sont prêts à s'engager sur leur temps de travail. 85%, c'est la part parmi ces Français des 18-25 ans qui sont prêts à s'engager sur leur temps de travail. Donc là, plutôt sur côté cible jeune, on a 85%. Et 32%, c'est la part des dirigeants qui sont favorables à la mise en place du mécénat de compétences. Donc, on peut voir qu'il y a un petit écart entre le pourcentage de dirigeants qui sont favorables à sa mise en place et de l'autre côté, donc, le pourcentage de Françaises et Françaises qui ont envie de s'engager. Et donc, pour vous résumer en quelques mots, nous, Pro Bono Lab, notre rôle, c'est vraiment aussi de faire se rencontrer ces différents univers. D'un côté, des associations qui ont des besoins en compétences, de l'autre, des personnes qui ont envie de s'engager et des entreprises qui sont prêtes à apporter ce dispositif. Je vais repartager mon écran. Donc, j'en profite pour vous partager d'autres chiffres, donc, qui proviennent de différentes ressources. Le baromètre du mécénat en France de l'ADMICAL, dans le cadre duquel on est partenaire Pro Bono Lab pour la partie mécénat de compétences, mais aussi d'autres ressources telles que Recherche et Solidarité en 2019, ou encore le baromètre de la SNCF réalisé avec l'IFOP. Vous avez 73% des salariés qui comprennent mieux en fait, les valeurs de l'entreprise après s'être engagés en mécénat de compétences. 71% des collaborateurs engagés dans ce dispositif qui estiment que c'est une expérience qui les a fait évoluer. 15% des mécènes sont des mécènes de compétences et sont des mécènes de compétences, et donc parmi elles, 25% souhaitent le développer. Et parmi la part des entreprises mécènes, vous avez plus de 90% qui sont plutôt des PME ou des ETI. Encore quelques chiffres pour vous permettre de bien vous approprier ce sujet et d'avoir une idée plus précise en fait des tendances et de comment en fait les personnes qui s'engagent perçoivent ce dispositif. Vous avez par exemple 90% des volontaires qui s'engagent dans nos actions chez Pro Bono Lab qui se sentent plus utiles et qui disent redonner sens à leur métier. 63% des salariés qui vont estimer légitime que l'entreprise leur propose de s'engager avec elle. 64% qui voient l'occasion d'acquérir des compétences, donc ça peut aussi être une opportunité de formation pour certains, donc pour apprendre de nouvelles compétences. Il y en a aussi qui affirment que ça leur permet d'avoir un nouveau regard sur l'intérêt général, donc c'est aussi l'occasion de découvrir un nouvel écosystème. Et 65% des salariés engagés qui aussi trouvent une occasion de renforcer leur lien à l'entreprise. Donc on voit aussi qu'en s'engageant pour un autre projet, ça permet aux personnes qui le font de se sentir plus proche de leur entreprise. C'est typiquement des chiffres qui peuvent vous aider à favoriser la mise en place du mécénat de compétences dans vos entreprises. Et ça permet justement de mettre en avant les différents bénéfices de ce concept pour ces différentes parties prenantes. Mais revenons aux définitions de ce concept. Je vous parle de mécénat de compétences, de pro bono. Qu'est-ce que concrètement la définition de ces différents dispositifs. Le bénévolat de compétences, c'est lorsque vous allez mettre à disposition sur votre temps personnel, donc vos compétences, votre temps pour un projet d'intérêt général. Le mécénat de compétences, c'est quand vous allez le faire sur votre temps de travail. Donc, ça va être la mise à disposition par une entreprise de ses collaborateurs, ses collaboratrices, sur leur temps de travail à titre gracieux, donc gratuitement pour en face la structure qui recevra ses forces vives pour la réalisation d'actions d'intérêt général. Et le pro bono, ça englobe en fait ces deux concepts. C'est quand globalement, vous allez partager vos compétences pour un projet d'intérêt général, que ce soit sur votre temps personnel ou sur votre temps professionnel. Pour vous permettre
de vous y retrouver un petit peu plus parmi ces différents concepts que je viens de vous présenter. Prenons donc en ayant en tête le temps de travail et le temps personnel, les compétences professionnelles ou personnelles, donc soft skills, mais pas de compétences spécifiques, mécénat de compétences, donc c'est vraiment l'engagement sur le temps de travail, qu'on aille mobiliser des compétences techniques, des compétences personnelles, pas de compétences techniques particulières, c'est vraiment l'engagement sur le temps de travail. Pourquoi je me permets de vous repréciser tout ça? Parce qu'aussi, en fait, en fonction des entreprises, chacun peut avoir un peu sa définition du mécénat de compétences, dans le sens où vous pouvez avoir des structures qui vont proposer de s'engager sur ces compétences métiers et considérer que c'est du mécénat de compétences dans ce cadre-là, mais qui, à l'inverse, s'il s'agit de mobiliser d'autres compétences, ne vont pas forcément considérer que c'est du mécénat de compétences. Or, la définition officielle est plus large que ça. Donc, c'est la raison pour laquelle je me permets de vous partager ce tableau. Vous avez toute la partie, donc le pro bono, où c'est vraiment quand on va aller partager ses compétences, bénévolat de compétences, exclusivement sur le temps personnel. Maintenant que voilà, vous avez une idée plus précise de la définition de ce dispositif, je vous partage quelques exemples de formats qui peuvent être réalisés en mécénat de compétences. Donc, ça peut être des formats plutôt courts, comme le coup de pouce, par exemple, une mission de quelques heures où vous allez conseiller une association sur un sujet. Ça peut être un détachement mécénat de compétences temps plein, donc là, un engagement plutôt long. Ça peut être des formats plutôt collectifs, donc s'engager en équipe dans le cadre de journées de solidarité. Ça peut aussi être un engagement plutôt individuel dans le cadre de mentorat auprès de jeunes, par exemple. Ici, je vais vous partager quelques chiffres sur le mécénat de compétences et notamment les raisons qui poussent les entreprises à en faire. Donc, vous avez 15% parmi les entreprises mécènes qui pratiquent, 15% des entreprises qui pratiquent le mécénat de compétences. C'est un chiffre qui est en baisse par rapport aux chiffres qui étaient ressortis du baromètre en 2020, qui était plutôt autour des 20%. Et c'est une baisse qui peut s'expliquer justement par toutes les crises qu'on a connues ces deux dernières années, et notamment la crise sanitaire avec la COVID-19. Parmi donc les entreprises qui font du mécénat de compétences, quelles sont les raisons qui les poussent à le faire? La première, qui est donc le plus ressortie, c'est que ça leur permet de renforcer les liens avec les acteurs du territoire. Juste après, le fait que impliquer les collaborateurs dans les activités de mécénat pour l'entreprise est une priorité. Donc là, on entend que ça répond plutôt à un enjeu RSE. Fédérer les collaborateurs, donc ici plutôt un enjeu de cohésion interne. Attirer des talents, donc là plutôt de recrutement, marque employeur. Et en 2021, parmi les jours attribués aux collaborateurs pour s'engager en mécénat de compétences, parce que typiquement, lorsque vous êtes une entreprise et que vous souhaitez permettre à vos salariés de s'engager en mécénat de compétences, vous pouvez poser un cadre de 1, 2, 3, plusieurs jours pour justement leur permettre de se saisir de ces journées pour s'engager en mécénat de compétences. Et c'est intéressant de voir qu'il y a 36% des entreprises pour lesquelles la totalité en fait, de ces jours a été utilisée. Donc, c'est un peu plus d'un tiers, c'est pas rien. 8% très majoritairement, 23% majoritairement, 14% pas totalement et 19% très peu, voire pas du tout. Donc, on voit aussi qu'il y a une part des entreprises qui proposent de s'engager sur le temps de travail, mais que ce n'est pas forcément un dispositif dont s'emparent les salariés. C'est très lié en fait aussi à la culture de l'entreprise et on va en parler plus en détail tout à l'heure des leviers de passage à l'action du mécénat de compétences et de sensibilisation que vous pouvez avoir en interne. Mais il se peut aussi qu'il y ait des personnes qui n'aient pas envie de s'engager et c'est OK. Le but, ce n'est pas que forcément que tout le monde s'engage, mais c'est que ceux qui ont envie de le faire aient un cadre pour pouvoir le faire. Donc ça, c'est donc des données, des informations c'est des informations qui ont été collectées dans le cadre du baromètre du mécénat en France de l'ANICA, dans le cadre duquel on est partenaire et on s'est justement occupé de la partie mécénat de compétences. C'est des ressources que je vous partagerai à la suite du webinaire. Un petit extrait justement de ce baromètre pour vous donner à voir deux exemples
D'entreprises, donc on est sur de grosses structures, la Fondation d'entreprise, la Française des Jeux, qui propose diverses modalités d'engagement, des actions courtes qui vont aller de 1 à un jour, des actions plutôt longues de 6 mois à 2 ans, comme c'est le cas aussi pour la SNCF. Donc là, c'est on a typiquement affaire à des structures qui ont mis en place ce dispositif depuis longtemps et qui ont tout un panel d'actions à proposer aux différents profils de collaborateurs qui composent leur équipe. Pour vous expliquer aussi un petit peu plus en fait, le contexte dans lequel ce dispositif est en train de se développer, il y a un contexte économique tout d'abord. Pour les associations, il y a une baisse assez considérable des subventions publiques. Donc les associations se sont aussi retrouvées obligées d'aller identifier de nouvelles pistes de collaboration. Et donc naturellement, les partenariats entre entreprises et associations se sont développés. De l'autre côté, au niveau plutôt des structures de l'ESS, il y a vraiment une volonté en fait, d'être dans une dynamique de coopération réciproque. Donc, pas seulement de dire que, il y a une entreprise qui va être partenaire d'une association et qui va donc lui faire un don, mais aller plus loin en fait, dans la dynamique partenariale et permettre aussi aux salariés de cette entreprise de s'impliquer pour le projet de l'association. En termes de bénévolat aussi, on remarque que ces dernières années, les modalités d'engagement ont changé. On est sur des engagements plus courts et qui vont être plus ciblés. Et il y a aussi en fait, une nécessité de structurer cette force bénévole du côté des associations qui va être plus mouvante qu'il y a quelques années. Pour vous parler un petit peu plus en détail du cadre juridique et fiscal auquel est rattaché le mécénat de compétences, c'est une information importante à avoir en tête pour les entreprises. Donc, sachez que c'est un dispositif qui est cadré juridiquement, fiscalement, par l'article 238 bis du Code général des impôts. Et vous avez donc la possibilité, si vous le souhaitez, de défiscaliser les dons que vous faites à des associations, donc qu'il s'agisse de mécénat de compétences, en fait, vous pouvez défiscaliser le temps de vos salariés qui est mis à disposition de l'association. Vous avez deux plafonds dans la limite de 20 000 euros ou de 0,5% de votre chiffre d'affaires. Il y a différents types de mécénat de compétences et pour vous donner un exemple ici, il peut y avoir deux dynamiques différentes, soit la prestation de service, soit le prêt de main-d'œuvre. Typiquement, dans le cadre de la prestation de service, en fait, vous allez vous mettre d'accord avec l'association sur une tâche à réaliser. Le salarié, il reste sous la direction et contrôle de l'entreprise. On est vraiment sur une obligation de moyens, de résultats vis-à-vis de la structure bénéficiaire. Tandis que pour le prêt de main-d'œuvre, là, on est sur une dynamique différente dans le sens où l'entreprise n'a aucune obligation de résultat, si ce n'est de permettre à la personne concernée de pouvoir s'engager sur le projet associatif sur la base de ce qui a été cadré avec l'association. Donc, pareil, l'entreprise reste employeur du salarié au regard de ses obligations juridiques et sociales, comme c'est le cas dans le cadre de la prestation service. La seule différence ici, c'est qu'éventuellement, le salarié, dans le cadre de prêt de main-d'œuvre, peut être inscrit sur les listes de la structure d'accueil. Maintenant que je vous ai présenté un petit peu plus en détail le mécénat de compétences, concrètement, qu'est-ce que c'est le mécénat de compétences? Quelles sont les tendances aujourd'hui au niveau des entreprises, mais aussi des citoyens et des citoyennes? Et dans quel contexte ça s'inscrit? Je suis ravie de vous en dire un petit peu plus sur les bénéfices de ce concept, c'est vraiment un win-win. On a des bénéfices pour les différentes parties prenantes qui vont être impliquées. Alors, pour vous en citer une partie, du côté de l'entreprise ou de la fondation d'entreprise, parce que parfois, c'est aussi ce véhicule juridique qui porte le sujet de l'engagement des collaborateurs. On retrouve le bien-être au travail, incarner, concrétiser les valeurs de l'entreprise. C'est vrai qu'avoir une entreprise qui communique sur des valeurs et qui va permettre à ses équipes de participer concrètement à ces valeurs,
Donnons l'exemple d'une entreprise qui va, parmi ses valeurs, pour la solidarité, alors permettre à ses salariés, sur leur temps de travail, de s'engager pour un projet d'intérêt général, ça, c'est concrètement incarner cette valeur-là. C'est aussi l'opportunité, une opportunité de formation, comme on l'a un petit peu vu tout à l'heure. C'est l'occasion pour les salariés de découvrir de nouveaux univers qu'ils ne connaissaient pas forcément, de nouveaux projets, mais donc de développer de nouvelles compétences. Participer à la dynamique du territoire, on a vu tout à l'heure que c'était la première raison qui poussait les entreprises à s'engager en mécénat de compétences. Donc effectivement, en tant qu'acteur économique du territoire, accompagner d'autres structures qui ont elles aussi une activité sur les territoires et contribuent à sa dynamique. Fidéliser les collaborateurs, effectivement, quand vous travaillez au sein d'une entreprise qui vous permet de vous engager pour des causes qui vous tiennent à cœur sur votre temps de travail et que c'est un dispositif dont vous avez envie de bénéficier, c'est aussi un facteur qui peut vous donner envie de rester dans l'entreprise. Créer de la fierté en interne, et ça, c'est typiquement quelque chose qui ressort beaucoup des formats qu'on organise Pro Bono Lab. Après une journée de partage de compétences avec une équipe de volontaires et une association, on a souvent le retour je suis super fière que mon entreprise m'ait permis de passer cette journée avec vous et de m'investir pour ce projet. Donc, ça crée vraiment de la fierté au niveau des équipes. Et ça, bien entendu, c'est un bénéfice pour l'entreprise. Du côté des salariés, c'est l'occasion de donner du sens à ces compétences, de découvrir de nouveaux écosystèmes, soutenir le projet d'une association. Dans le cadre de l'engagement citoyen, le frein qui nous est le plus remonté, qu'on retrouve le plus, c'est la contrainte du temps. Les citoyennes, les citoyens ont envie de s'engager, mais manquent de temps pour le faire. Alors, quand votre entreprise sécurise en fait cet engagement, propose un cadre qui facilite le passage à l'action, et ben ça va être l'occasion pour vous d'aller soutenir un projet que vous n'aurez pas forcément peut-être eu le temps de soutenir sur votre temps personnel. Travailler en équipe d'une nouvelle façon pour les formats collectifs, développer son leadership et élargir son réseau interne, mais aussi externe, parce que c'est l'occasion pour vous de rencontrer d'autres professionnels, donc des équipes d'associations. Du côté de l'association, c'est dans un premier temps l'opportunité d'accéder gratuitement à un accompagnement en compétences qui est très précieux, parce qu'on parle ici de structures associatives. Les structures associatives qui ont besoin de mécénat de compétences, c'est des structures qui manquent de temps et de ressources humaines ou financières pour justement pouvoir répondre aux besoins qu'elles rencontrent. Donc, avoir l'opportunité d'accéder gratuitement à des recommandations pour mener à bien cette problématique, c'est extrêmement précieux pour elles et ça a un impact considérable sur leur développement par la suite. Mobiliser des expertises complémentaires pour répondre à une problématique rencontrée et renforcer son réseau et créer des liens durables avec les volontaires et l'entreprise. En effet, c'est aussi l'occasion pour l'association qui rencontre un besoin de créer en fait des relations qui vont s'inscrire dans le long terme avec une entreprise et ses collaborateurs, voire aussi identifier de potentiels bénévoles pour sa structure. Alors, pour ce qui est de la sensibilisation au mécénat de compétences, justement pour lever les freins en interne, je vous partage ici quelques bonnes pratiques. Dans un premier temps, définir, plutôt du côté des dirigeants et des managers, définir l'implication des collaborateurs, c'est-à-dire que voilà, poser un cadre, mettre en avant les bénéfices directs pour l'entreprise, c'est important que l'entreprise elle comprenne que c'est un dispositif qui va aussi la nourrir et que c'est un dispositif donc, qui va être bénéfique aussi pour sa structure, pour sa propre activité. Les bénéfices pour les partenaires et l'impact social que ça représente et qui est donc non négligeable et qui est important de valoriser. Avoir un benchmark des pratiques existantes, ça peut permettre de favoriser le passage à l'action, de voir qu'il y a telle entreprise qui met en place tel type de format, il y a tel type de politique d'engagement qui est déjà
déjà réalisé, ça permet de s'inspirer et de voir, de voir ce qu'il est possible de faire. Présenter les modes d'implication possibles. Donc, je vous partageais tout à l'heure des exemples de formats qui peuvent être réalisés. Vous pouvez être plutôt sur des formats très courts, de quelques heures, des formats un peu plus longs, de plusieurs journées, voire de quelques mois, voire de mise à disposition jusqu'à 2 ans. On va avoir plutôt donc des formats individuels, mais aussi des formats collectifs. Et c'est important d'avoir un panel d'offres assez varié pour pouvoir justement répondre aux attentes des différents salariés. S'appuyer bien sûr sur des exemples concrets, des articles de presse, des études. Donc, il y a des études qui sont réalisées sur le sujet, des baromètres, comme je vous en ai parlé. Et ça, c'est typiquement le type de ressources que je serais ravie de vous partager plus tard pour vous aider à avoir de la matière sur le sujet et à lever des éventuels freins. Justifier et relativiser les coûts. Parce que bien entendu, ça a un coût pour la structure de mettre gratuitement à disposition d'un autre projet ses équipes tout en continuant de les rémunérer. Mais pour autant, comme on vient de le voir ensemble, c'est un dispositif qui est bénéfique pour l'entreprise. Donc, justifier et relativiser ses coûts financiers. En termes de bonnes pratiques, je vous invite à vous appuyer sur ceux qui sont convaincus par le mécénat de compétences pour justement obtenir un accord des décideurs et rassurer ceux qui vont être peut-être un peu plus sceptiques. Donc, toute personne qui est convaincue que c'est un projet bénéfique qu'il faut mener à bien, eh bien, embarquez-la avec vous sur ce sujet. Vous appuyez sur des articles donc, et des mentions presse, des études, etc. Vous pouvez aussi faire intervenir un partenaire associatif auprès de votre comité de direction ou d'autres personnes qui vont prendre les décisions à ce sujet en interne. Ça peut permettre en fait de concrétiser un peu le mécénat de compétences en ayant un porteur de projet associatif qui vient vous raconter une mission dont il a bénéficié, comment ce dispositif lui a permis d'avancer sur son projet et d'assurer son développement et donc de maximiser son impact. Et donc, typiquement, d'avoir un retour d'expérience très concret de ce type, ça peut permettre de lever des freins et de favoriser le passage à l'action. Avoir une équipe projet aussi pour ce sujet. Donc, réduire les freins. Dans un premier temps, je vous invite à alors sécuriser l'implication des collaborateurs sur les missions, donc c'est-à-dire de communiquer sur les missions. Vous pouvez travailler en fait avec des organismes relais, des intermédiaires du mécénat de compétences tels que nous ou d'autres qui vont vous aider à cadrer tout ce projet et qui ont cette expertise de l'accompagnement des associations et de leurs besoins. Dans l'entreprise, typiquement pour les missions de mécénat de compétences, vous assurez que les N+1, les managers, vont pas être un frein dans la mobilisation des salariés. Donc, s'assurer que au niveau de l'entreprise, tout le monde est au courant de ce dispositif et que personne sera un frein à son déploiement. Dans le processus de recrutement donc des salariés pour qu'ils s'engagent sur des missions, bien transmettre toutes les informations, donner envie de s'engager, surtout que des personnes qui vont manifester un intérêt pour les missions que vous allez proposer, les formats que vous allez proposer, surtout si vous commencez, vraiment ne pas les perdre, être bien en lien avec eux et transmettre les informations dont ils ont besoin. Et dans la fidélisation, donc c'est à la suite d'une mission, d'autres événements, prévenir en fait aussi à l'avance, faire des rappels pour qu'ils puissent, pour qu'ils n'oublient pas la mission. Enfin, c'est vraiment important en fait d'avoir aussi tout un plan de communication qui va venir porter ce projet et qui va venir transmettre aux équipes toutes les informations dont elles ont besoin, leur donner envie et valoriser leur engagement une fois qu'elles se seront engagées. Donc, ça passe aussi notamment par l'outillage de ce type de projet. Donc, vous avez différents outils qui sont proposés. Je pense notamment aux plateformes d'engagement de type Vendredi, Wenabi ou encore plein d'autres qui peuvent aussi vous aider à favoriser le passage à l'action de vos équipes.
Ensuite, en deuxième recommandation pour réduire les freins et favoriser la mise en place du mécénat de compétences, voilà, simplifier le processus d'implication. Il ne faut pas que ce soit toute une série d'étapes extrêmement lourdes parce que sinon, bah forcément, ça va démotiver les salariés et ne pas être et rester voilà, inclusif en fait dans les projets que vous allez proposer, que ça puisse s'adresser à tout le monde et donc que les salariés puissent s'insérer dans le dispositif. Le fait d'avoir un contact référent, une personne qui est identifiée pour ces sujets, ça facilite aussi l'appropriation du sujet par les collaborateurs parce qu'ils ont donc cette personne dédiée vers qui ils savent qu'ils peuvent se tourner pour tout renseignement. Et comme je vous le disais, donc la mise en place d'une plateforme pour faire connaître l'engagement de l'entreprise et favoriser le passage à l'action des équipes. Être proactif et rester attentif aux envies de certains collaborateurs. Donc, l'idée, là, c'est de dire que c'est pas vous allez proposer des choses une fois et vous attendre à ce que ce dispositif vive tout seul. C'est comme tout projet en entreprise, il faut l'animer, il faut que vous renouveliez votre offre de mission, que vous alliez chercher les collaborateurs qui sont engagés pour accueillir leur retour, être à l'écoute de ces retours, parce que c'est aussi un dispositif dont le succès repose sur l'implication de vos salariés, de vos équipes. Donc, c'est très important de rester à l'écoute de leurs envies, de leurs attentes en matière d'engagement, dans le cadre que vous avez proposé et en lien avec les objectifs que vous êtes fixés. C'est très important de les prendre en considération pour ces projets-là, car c'est sur eux que repose le succès de ce dispositif. C'est aussi le mécénat de compétences vous invite à le valoriser en interne. Et typiquement, vous pouvez le faire avec des supports et des outils de communication à disposition. Il y a des appels à projets, par exemple. Enfin, si vous souhaitez soutenir des associations, vous pouvez lancer un appel à projet en interne permettant que les salariés de l'entreprise puissent parrainer un projet et venir proposer un projet associatif qu'ils connaissent. Vous pouvez leur permettre de faire du mentorat auprès de jeunes, comme on l'a vu tout à l'heure, etc. Au niveau de l'entreprise, pour vous partager encore quelques notions sur le mécénat de compétences, dans un premier temps, proposer un programme qui soit pertinent par rapport à la stratégie de l'entreprise, à la politique RSE. C'est pour ça que je vous disais il y a quelques minutes de prendre en considération les attentes, les envies de vos équipes, tout en prenant aussi en compte les objectifs que vous êtes fixés, le cadre que vous souhaitez poser, parce que c'est important qu'il y ait une certaine logique, une certaine cohérence par rapport à la stratégie de votre entreprise, par rapport à votre politique RSE, pour que ça vienne s'intégrer de manière fluide et naturelle à la culture de votre entreprise. Si ce n'est pas le cas, ça peut avoir un effet tout complètement inverse, dans le sens où s'il n'y a pas de cohérence avec ce que vous faites initialement, que ce soit en termes de thématiques, en termes de politique RSE, s'il n'y a vraiment aucun lien, les salariés pourraient ne pas comprendre pourquoi c'est mis en place, pas forcément comprendre ce qui est attendu d'eux et pas s'emparer du dispositif, voire le rejeter en ayant peut-être la sensation d'être un peu un outil de social washing de l'entreprise. Donc, c'est important de travailler en fait aussi votre programme d'engagement qui ait une cohérence par rapport aux messages, aux valeurs que vous portez, aux thématiques éventuellement, pour que ça s'intègre dans votre culture d'entreprise. Faire simple, c'est-à-dire mettre en place des programmes qui ne vont pas venir impacter votre activité opérationnelle quotidienne. On parlait de format de quelques heures de manière ponctuelle. Donc ça peut être c'est typiquement le type de format qui n'impactera pas votre activité. Avoir une ou plusieurs solutions de mécénat de compétences. Donc, si c'est posspossible, effectivement, commencez à proposer différents formats. C'est l'occasion pour vous de voir quel format plaît un peu plus, de voir éventuellement aussi s'il y a c'est intéressant, il y a tel type de profil en interne qui s'engage davantage sur ce type de mission. En termes de lisibilité aussi,
J'insistais tout à l'heure sur le fait que il fallait vraiment sécuriser l'engagement de vos équipes, c'est-à-dire que quand vous allez avoir un salarié, une salariée qui manifeste un intérêt pour une mission, bien l'embarquer, bien le briefer, lui partager toutes les informations nécessaires, envoyer des rappels avant le jour de la mobilisation, etc. Et donc avoir une communication qui soit simple, qui soit lisible, aussi bien pour les RH, les managers et les salariés. Parce que comme on disait, si vous avez au niveau des salariés, si le manager est un frein à l'engagement du salarié, ça va être compliqué pour les équipes de s'engager. Donc, c'est important aussi que l'information, elle soit claire, elle soit lisible par et pour tous. En termes de facilité, donc elle a identifié facilement des associations partenaires et des missions adaptées à l'écosystème de l'entreprise. Donc, typiquement, pour ces aspects-là, vous pouvez vous faire accompagner par des intermédiaires si vous n'avez pas forcément l'expertise en interne à ce sujet ou tout simplement le temps aussi à dédier à ce type de coordination. Et en termes de suivi, bien entendu, comme tout projet que vous allez mener au sein de votre entreprise, mettez en place des outils pour le piloter et évaluer son impact. C'est aussi ça qui va vous permettre de le développer plus largement sur plusieurs années, montrer en quoi c'est bénéfique pour l'entreprise, pour les personnes qui s'engagent et pour les structures bénéficiaires qui reçoivent les mécènes de compétences. Et valoriser ces expériences, donc vous pouvez le faire de différentes manières, à travers des événements que vous pouvez organiser en interne pour permettre aux personnes qui sont engagées de prendre la parole et de donner envie à d'autres de le faire. Ce qui fonctionne le mieux en général en entreprise, c'est la communication de pair à pair, c'est d'avoir un collègue qui raconte à un autre qu'il était en mécénat de compétences la veille et que ça a été une expérience très enrichissante et qu'il est ravi d'avoir pu la mener à bien. C'est typiquement le type de retour qui va aussi donner envie à d'autres de s'engager. Donc, valoriser ces expériences, montrer aussi qu'elles sont valorisées par l'entreprise. C'est un message fort à soutenir si vous souhaitez mettre en place une mécénat de compétences au sein de votre structure. Et vous pouvez réaliser tout type de contenu communication pour justement valoriser ça en interne. Donc, ça peut être des interviews vidéo, par exemple. J'ai évoqué à plusieurs reprises différentes ressources, notamment pour la partie chiffrée de ma présentation. Donc, je suis ravie de vous les partager ici. Vous avez le baromètre du mécénat d'entreprise en France, donc avec une partie vraiment mécénat, et un focus mécénat de compétences, notamment ensuite sur la culture et le sport. Vous avez le panorama international du Pro Bono. Donc ça, c'est une étude que nous, on a réalisée Pro Bono Lab l'année dernière, qui vous permet d'identifier les différents intermédiaires du Pro Bono à travers le monde, donc des acteurs tels que nous, mais dans d'autres pays, et de comprendre peut-être d'un pays à un autre, d'une région à une autre, quels sont les freins à la mise en place du mécénat de compétences, à l'inverse, quels sont les leviers qui favorisent la mise en place du dispositif. Je vous partageais aussi un article à la suite d'une table ronde qu'on avait organisée en tout début d'année dernière, il me semble. Donc, c'était regard croisé, entreprise, association et volontaire. Donc, on avait invité une entreprise partenaire, une association qui était accompagnée et un volontaire qui s'est engagé en mécénat de compétences à venir partager leur expérience. Voilà, ce qui a marché, ce qui a moins bien marché. C'est important aussi d'identifier à la fois les bonnes et les mauvaises pratiques. Donc, je me suis dit que c'était une ressource qui pourrait vous être utile. Car ça vous apportera plus de concret, de retour d'expérience de personnes qui se sont engagées. Et le baromètre mécénat de compétences par l'IFOP avec la Fondation SNCF, où vous allez justement retrouver toute une série de données sur les bénéfices, notamment pour les salariés qui se sont engagés. Je crois qu'on arrive à la partie questions. Justement, je vois que je suis dans les temps. J'espère que cette présentation vous a été utile et qu'elle vous a inspiré. Et je serai ravie de répondre aux différentes questions que vous pouvez avoir.
Moi, j'ai une petite question, Charlotte, à te poser. Donc, sujet vraiment très intéressant. Hein, merci pour toutes ces informations. Donc, je me posais la question, pourquoi le mécénat de compétences est-il pour les entreprises un vecteur de motivation des collaborateurs? Comment c'est reçu au sein de l'entreprise, finalement, le mécénat de compétences quand un dirigeant ou un responsable RSE met en place du mécénat de compétences? C'est reçu comment? Est-ce que c'est applaudi? Ça va, en fait, ça, globalement, oui, enfin, c'est une initiative qui est très, très, très appréciée des collaborateurs. Mais en fait, c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure la culture de l'entreprise. En fait, c'est quelque chose qui est très lié à la culture de l'entreprise. Et c'est pour ça que nous, chez Pro Bono Lab, on vous encourage, en fait, à aller questionner les envies de vos équipes. Parce que typiquement, ça peut être, vous pouvez avoir une équipe qui est peut-être très engagée sur son temps personnel, mais qui pour autant n'a pas envie que ses engagements personnels soient réalisés dans le cadre de son temps de travail, qui n'a pas forcément envie que son employeur soit au courant des sujets qui lui tiennent à cœur et qui vont préférer justement en fait, qu'il y ait cette distance et de ne pas s'engager sur le temps de travail. Et donc typiquement, si vous êtes une entreprise... Où vous allez avoir plutôt donc des équipes qui n'ont pas forcément envie de s'engager sur leur temps de travail, si vous proposez un dispositif qui permet de le faire, vos équipes ne vont pas forcément s'en saisir. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'aller tester leur appétence pour le sujet, interroger, parce qu'en fait, ça va être lié à la culture de votre entreprise et bien entendu, c'est très variable d'une structure à une autre. Après, voilà, comme je vous dis, globalement, c'est un dispositif qui est très apprécié parce qu'on observe que ces dernières années, avec les grands enjeux auxquels on fait face, il y a une quête de sens qui est de plus en plus forte chez les jeunes, mais pas que. Enfin, on retrouve à toutes les étapes de son parcours professionnel. Donc, quand votre entreprise va montrer qu'elle est à l'écoute de ces enjeux, qu'elle est à l'écoute de ces changements et qu'elle est prête à en faire en vous permettant justement de s'engager avec elle sur ces sujets, c'est généralement un dispositif qui est accueilli très positivement par les équipes. Et ça s'est amplifié avec la crise du Covid ou pas, crise sanitaire? Est-ce que vous avez senti qu'il y a une accélération de la part des entreprises sur ces sujets plus importante Alors, vous pourrez regarder plus en détail dans le baromètre de l'Adimical. Pour ce qui est du mécénat au sens large, on est sur des chiffres assez similaires entre 2020 et 2022. Par contre, côté mécénat de compétences, il y a eu une baisse. Il y a eu une D'accord. baisse de 6 points, donc qui est non négligeable, mais qui justement en fait, s'explique par le fait que, avec justement la crise Covid, etc., bien qu'en fait, c'est aussi une crise qui a justement généré des prises de conscience et qui a aussi donné envie aux entreprises d'aller plus loin. La réalité fait aussi que ça a pas été, enfin que ça a été le mécénat de compétences a un coût pour les entreprises et ça a été donc des années difficiles pour ces structures qui ont pour la plupart dû repriorisé certains sujets. Donc c'est comme ça qu'on peut interpréter ces chiffres. Donc pour ce qui est du mécénat de compétences, c'est un chiffre qui était plutôt en baisse, en lien, je pense, avec tout ce contexte qui n'était pas forcément favorable parce que les gens étaient chez eux, à distance, etc. Je me tourne vers vous, chers auditeurs, derrière vos écrans. Petite question, qu'est-ce que vous retenez de cette animation du mécénat de compétences? Est-ce que ça vous donne envie de passer le cap? Est-ce que vous avez déjà mis en place en fait des actions autour du mécénat? Donc, je suis un peu curieuse d'avoir votre retour. Hein. Si vous souhaitez, hein, vous pouvez intervenir en direct. Donc, en attendant vos réponses, moi j'ai une autre question qui m'interpelle. On sait que le mécénat de compétences est porté en fait différemment en fonction de la taille des entreprises, en fonction de la stratégie de l'entreprise. Mais finalement, qui porte le sujet du mécénat de compétences en entreprise? Le dirigeant
La com, la RSE, les ressources humaines, le CSE? Ça peut être très variable. Et une fois de plus, ça va dépendre vraiment du fonctionnement de votre entreprise. Vous allez avoir le cas où vous avez un dirigeant qui est très engagé personnellement sur une cause et qui va vouloir peut-être la porter aussi au sein de l'entreprise et qui donc va être extrêmement moteur sur ces sujets d'engagement, de mécénat de compétences. Et donc là, ce sera plutôt le dirigeant qui va porter la voix du dispositif. Après, pour ce qui est du déploiement opérationnel, bien sûr, c'est aussi porté par tous les différents services que ça concerne. Si ça répond à un enjeu RH très, très fort de marque employeur, de développement des compétences des équipes, de formation, etc., là, c'est plutôt un sujet dont va s'emparer le service des ressources humaines. À l'inverse, si on est plutôt dans une dynamique de stratégie RSE, permettre aux équipes d'incarner les valeurs de l'entreprise, aller encore plus loin dans nos engagements sociétaux, là, on va voir que c'est plutôt l'équipe de la responsabilité sociétale des entreprises qui va plutôt chargée de mettre en place ces projets. Vous avez aussi beaucoup d'entreprises qui vont créer des fondations d'entreprises et donc vous allez avoir des personnes de l'entreprise qui donc sont dédiées à la fondation et qui vont proposer des actions et mettre en place ce dispositif. Donc c'est très variable. Ça peut vraiment varier d'une structure à une autre en fonction des enjeux auxquels ça répond chez vous et de votre culture d'entreprise. Bon, ben merci beaucoup. Merci beaucoup, Charlotte. Est-ce que vous avez des questions de votre côté ou alors un mot pour terminer en fait ce webinaire, une suggestion, un retour d'expérience? De mon côté, j'étais ravie de pouvoir vous présenter le mécénat de compétences et j'espère vous donner envie de vous lancer et de tester des choses, tout simplement. Je me tiens à disposition, si vous le souhaitez, pour échanger plus en détail autour de vos envies, de vos besoins à ce sujet. Et chez Pro Bono Lab, en fait, il y a des missions donc, qui sont cadrées par nos équipes et qui sont donc ensuite diffusées au plus grand nombre. Donc, sachez que si vous avez envie de tester des formats sans engagement, forcément, sans engagement, et si vous souhaitez juste pouvoir tester des choses avant de mettre en place un dispositif plus cadré, sachez que c'est possible et on pourra, avec Fadila, vous partager le lien vers les différentes missions. Ça peut être un premier pas, même pour vous-même, en fait, aller tester un peu le type de format qu'on propose, voir un peu plus concrètement comment ça se passe. C'est aussi l'occasion de comprendre un peu mieux en quoi ça consiste et être plus à même en interne d'en parler et de porter le sujet, d'aller convaincre les autres. Donc, encore un grand merci à vous toutes et tous pour votre attention ce matin et on sera ravis, Fadila, de poursuivre les échanges avec vous à ce sujet. Oui, pour terminer, juste, je rebondis sur une petite chose. La suite, je vais vous envoyer le replay et les slides avec votre contact, hein, Charlotte. Donc, les entreprises peuvent reprendre contact avec vous et vous poser en fait des questions ou approfondir en fait le sujet. Je terminerai par vous dire, je vous souhaite de terminer en beauté en fait cette année. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine pour de nouvelles thématiques RSE Impact. Merci beaucoup. Merci Charlotte. Bonne journée. Merci Fadila. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.